le cœur de la vie. Trois archétypes du féminin. Marie-Madeleine, la femme sacrée, probablement à la perfection. Marie, constamment au service. Et Isis. Bonjour à tous. Bienvenue sur Bonté Web TV. Mon nom est Suzy Matt. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Bradfield à mon studio, à Studio Humanix. Alors, bonjour Bradfield, comment bonjour, ça va? Ça va super bien. Oui. Oh, tu me parles de ta voix calme. Là, tu sors de trois semaines de presque hibernation. Hein? Mm. Je suis, imagine, sur un projet bouddhiste en ce moment. Ah! Parce que là, le féminin sacré a pris déjà un an de ma vie et... OK. Belle synchro de voir ça ce soir. Ouais. Ah, ouais. OK. Alors, j'aime ça parce qu'on avait parlé de féminin sacré. Je pensais que tu t'attendais à voir ça, mais moi, c'est mon seul paravent que j'avais. Alors, je suis très contente de voir qu'il y a... Précurseur de qu'est-ce qui s'en vient, en fait. OK. Ouais. Alors, toi, tu es musicien, tu es chanteur. C'est quoi ton background pour les gens qui ne te connaissent pas? Presque 30 ans maintenant en création. J'ai commencé à 3 ans jouant le piano avec une école à Toronto. Une chose menait à une autre, je jouais les classiques, je jouais du Mozart, du Beethoven, tout ça, jusqu'à à peu près 13 ans, où j'étais plus capable. OK. J'ai tout lâché. OK. J'ai quitté le piano. T'es comme un enfant prodige un peu. T'avais ça en toi dès le départ. Un peu, mais quand même, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont... encouragé. Immersé là-dedans de très bas âge. Okay. Même avant que je savais qu'est-ce que j'avais envie de faire. Alors, il y a déjà ça. Ouais. Et puis là, qu'est-ce que tu as fait rendu à 13 ans? 13 ans, j'ai tout arrêté. Ouais. Pour ensuite revenir, comme je dis, à mes termes. Avec envie de le faire et pas parce que j'avais besoin de le faire. OK. Souvent, on est poussé dans certaines directions dans notre vie et on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose. On le fait. Mais le cœur est plus fort, puis il parle. Il faut vraiment prendre un recul souvent pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans le cœur, qu'est-ce qu'on a envie vraiment d'être. Mm. Et c'est ça qui s'est passé. Okay. Et quand j'ai revenu au piano, c'était avec une nouvelle aperçu. Sans livre, sans préconception, juste moi, mes mains, mon cœur et mon âme. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à composer. Ce que je ressens de toi, c'est une partie très connectée à ton essence spirituelle. Est-ce que tu as eu une démarche à ce niveau-là? Une démarche, écoute, on est des êtres spirituels à la base. On passe nos vies, ou plusieurs vies, à essayer de se rappeler de cette spiritualité. Mm. Alors, je trouve ça comique quand quelqu'un comme toi ou d'autres me disent qu'est-ce qui a été le déclic. Ouais. Souvent, on décroche de ça à naissance parce qu'on est dans un monde qui est une boîte dans beaucoup, beaucoup de circonstances. Mm. On nous met dans cette boîte et on grandit dans la boîte. Ouais, c'est vrai. Et la boîte traditionnelle de notre société en Amérique du Nord depuis, 40 ans, est en train de se transformer. Mais à l'époque où moi j'ai grandi, il n'y avait pas question nécessairement de dire « bon, mais je n'ai pas envie d'aller à l'école » ou « moi je vais faire ça, je vais aller prendre une retraite dans un temple bouddhiste ». Tu sais, il n'y avait pas tout ça. Non. Ça existait, mais on n'était pas conscientisé vers ça. Alors, écoute, moi je suis comme toi, je suis comme tout le monde, sauf que j'ai dédié ma vie à l'exploration de qu'est-ce qui se passe en moi, au lieu de suivre les chemins déjà établis. Mm-hmm. Puis ça se reflète dans ta musique. Et moi, ce qui m'a... dernièrement, c'est sûr, au niveau énergétique, j'ai des soins, on ressent des présences. Je sens beaucoup une connexion au niveau de Marie, la Vierge. Mm-hmm. Et là, je vois ton CD, The Art of Mary. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce CD-là? Ce CD-là était un projet qui m'est arrivé un peu par surprise.
J'avais rencontré Lise Côté, qui est une auteure qui travaille avec Marie, qui travaille dans l'énergie du féminin sacré. Ouais. J'avais aussi fait plusieurs autres rencontres. D'ailleurs, une visite à la grotte de Marie-Madeleine en France. À l'époque où ma copine voulait aller, et moi j'étais un passager, un touriste. Et je me rappelle très bien parce que j'avais pris ma caméra pour lui prendre en photo. On arrive là, il y a une forêt qui n'a pas été touchée depuis des centaines d'ans. On arrive, c'est quasiment magique. Wow. On sent la pureté d'une forêt comme les forêts étaient à une époque. On traverse cette forêt, on arrive à des marches et on monte jusqu'à tant qu'on arrive à la grotte. Alors, disons, l'initiation déjà pour ce lieu-là est très fort. Mais moi, j'étais là, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, pourquoi. Je prenais des photos de ma copine. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais prends deux, trois de moi aussi. T'sais, je sais pas, peut-être parce que c'est fun d'avoir des photos de. On passe une heure à prendre des photos de quelqu'un, mais au moins une ou deux de nous. Et finalement, ces photos-là se sont retrouvées dans la pochette de l'album que je ne savais pas du tout que j'allais créer. Okay. Alors, il y avait des synchros comme ça, il y en avait plein qui m'ont amené au retour du voyage à me dire bon, j'embarque, je vais créer un album pour le féminin. Il y a quelque chose au niveau du côté féminin qui s'est manifesté dans toi, un équilibre peut-être entre tes deux côtés? Cet équilibre-là existait déjà en moi. Ça ouais. fait longtemps que je considère que je suis en équilibre. Ouais. Je ne dis pas ça par ego. C'est vraiment un artiste, un créateur à la base est très connecté à son intuition. L'intuition est une des plus belles qualités de la femme. T'sais, la femme intuitive, si on l'écoute, elle peut t'amener très loin. Et moi, j'avais déjà tout ce côté-là. Alors, ce n'était pas une question de trouver le féminin. Mm. C'était une question d'avoir une étincelle pour créer un projet vraiment pour ramener l'équilibre de la femme. OK. L'équilibre à l'intérieur de la femme aussi. À l'intérieur de la femme. Parce qu'on est très masculinisé depuis oui. l'enfance. L'équilibre... C'est quoi le féminin sacré? C'est vraiment ça ma question, en fait. C'est que depuis... Moi, j'ai pris Marie-Madeleine comme référence. Okay. Depuis le début, on nous a raconté des mensonges. Marie-Madeleine, la figure historique dont l'Église, dont la société nous raconte, est faussée. Mm. C'est pas une image claire ou honnête. De qui elle était. C'était dans mon estime et dans plusieurs qui ont vraiment fait des recherches. Une femme qui avait autant d'importance dans l'histoire que Jésus. Mm-hmm. Elle était à côté, elle avait été initiée, au temple d'Isis en Égypte. Elle avait des enseignements tantriques, plein de choses qui ont permis finalement que Jésus puisse faire le chemin qu'il avait à faire. Mm-hmm. Alors, quand on parle du féminin sacré, mais il faut retourner à la base pour voir où le sacré avait été détruit. Et c'est ça que j'ai choisi comme point de départ. Mm-hmm. Ensuite, bon, on part de là. Et musicalement, je voulais retourner à cette énergie-là, le guérir, le transformer et ensuite le rendre actuel à l'époque dans laquelle on vit présentement. Okay. La femme sacrée est en résonance avec toutes ses capacités, mm. pas juste une ou deux. Mm. C'est une femme qui il y a la collaboration qui brille, hein? qui ouais. brille avec toute la magie de la femme, mm-hmm. et pas une femme comme tu disais tantôt. Qui est plus dans son côté masculin, par peur d'ouvrir sa douceur, sa fémininité. Ouais. C'est tout ça. Et quand on parle de la femme qui a été masculinisée, c'est,
je sais même pas si c'est un mot, bon, mais c'est vraiment par protection, pour se protéger contre le monde, contre les hommes, contre la société. Alors, de ramener le sacré, c'est que ça soit pur, possible et accessible en tout temps. Mm. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais acheté un tête de Bouddha pour mes parents. Ouais. Okay? Je les ai donné ça à Noël. Et ma mère a dit, t'es lourd. Elle a dit, mais c'est bien bon, mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai dit, mais tu le mets à une place propice dans ta demeure. Elle dit, mais je ne peux pas mettre ça. Je suis chrétienne. Mm. Et là, imagine, ça c'est ma mère. On a embarqué dans tout un processus de finalement faire comprendre à ma mère que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une manière de vivre, mm-hmm. une manière d'être. Ouais. La spiritualité est pareil. Ouais. Si on s'entoure d'un chandelle de d'ouverture, de conscience, de belles choses qui propagent une ouverture de l'esprit, on devient le reflet de cela. Alors là, on parle de bouddhisme. Là, est-ce que tu peux me parler de ton nouvel album? Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers ça? Oui, mais le nouvel album est une revisite du travail que j'ai fait en 2005 et 2009. Okay. Parce que j'ai déjà fait 3 albums de mantra bouddhisme où je me suis vraiment imprégné des syllabes sacrées sanskrit. Pour là, je revisite ça, mais avec ma voix. Je l'ai fait avec Anel. Et mon approche qui est particulière avec ça, c'est, premièrement, on entend des mantras partout et tout le monde généralement chante les mêmes mélodies. Ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé. Ouais. Alors, j'ai mis ça à côté. J'ai retourné à l'essence des syllabes. J'ai appris comment lire et écrire le tibétain. Mm. Et je les ai refaits avec des nouvelles mélodies, des nouvelles musiques, pour faire un mariage en l'ancien et le nouveau. Wow. Et j'ai fait tous les mantras sur 3 albums. Et là, je suis en train de le faire, 3 par album, avec complètement une nouvelle vision sonore et ma voix qui amène une énergie très différente parce que c'est vraiment, vraiment dans l'enracinement, dans le grave de ma voix masculine. Okay. Et c'est ça que je suis en train de faire pour une sortie fin avril, début mai. Ah, c'est bien. On a hâte de voir ça, d'écouter ça. Moi aussi, j'ai hâte. Moi, je suis curieuse, en fait, parce que tantôt, avant de faire l'enregistrement, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée. Tu as dit, moi, je n'ai pas le droit d'aller voir ma blonde quand elle fait ses danses. Et j'ai fait « wow », tu sais. Comment ça se vit, vous deux, à ce niveau-là? Parce que j'ai comme plein de questions dans une question, là. Je vais essayer de rendre ça concis. Je trouve que c'est un grand respect, premièrement, de ce que c'est, de passer par-dessus ta curiosité, puis de dire non, j'y vais pas. Puis je sais pas comment ça s'est passé, en fait, pour que tu y ailles pas, mais moi, je trouve ça beau. Puis je me demande, en fait, comment vous le vivez, ça, parce que moi, je pense que ça fait partie du féminin sacré, ça. Ce que tu fais, je sais pas si je fais fausse route, mais comment vous le vivez, ça, quotidiennement? Le féminin sacré entre vous deux, le masculin sacré dans votre couple? C'est une bonne question. Ouais. Mm. Mais là, en premier temps, pour préciser, l'événement dont on parlait, c'est les événements de Caroline qu'elle fait toute seule, okay. de son bord. C'est des ateliers en danse qui s'appellent Dansuel. Oui. Et son objectif avec ces événements, c'est de créer un espace intime vraiment pour les femmes. Okay. C'est pas une question d'exclusion de l'homme, mais plutôt pour créer un cocon où les femmes, et toi qui avais été, oui. sais très bien que la manière dont toi tu vas pouvoir t'exprimer, te libérer dans un événement comme ça qui est très privé, sera pas nécessairement
carin à la manière que tu t'exprimerais s'il y aurait des hommes alentour. Et si je ne me trompe pas, parce qu'on a déjà fait des événements ensemble à Québec en danse où il y a des hommes, mais aussitôt que tu ajoutes la dynamique oui. d'un homme, même les femmes agissent différemment. Oui. Toi qui tout à coup t'es conscient, disons que je te regarde, peut-être que je te trouve belle, que je te trouve oui. intéressante à observer, ton langage corporel change, ta manière d'être change. Alors, c'était important pour elle de créer cet environnement comme ça. Le projet qu'on a présenté à plusieurs reprises au Québec, qui est le spectacle de Heart of Mary, était une collaboration où, parce qu'il y a tout cet aspect-là, la musique dont on parle depuis tantôt ouais. et l'album. Heart of Mary est un projet multimédia très large, très ouais. grandiose. Ouais. Il y a l'aspect musique, il y a l'aspect chant, il y a l'aspect texte, l'aspect poésie, l'aspect spectacle. Et le spectacle, Caroline a été directement impliquée. Elle danse à travers le chant, elle incarne les personnages de Marie-Madeleine, Marie, Isis, la déesse égyptienne, et la fille de la terre. Ouais. Alors là, à ce niveau-là, ça c'est où on a vraiment rassemblé l'énergie masculine et féminine pour mettre devant le public un projet très unique. Si je te dirais que dans mon cas, le vécu de l'homme et de la femme et de la relation sacrée est un immense défi en tout temps, même pour un homme assez évolué, c'est un ajustement, une conscience constante de respect, d'écoute, d'observation, d'intégration. Il y a tout ce flow-là qui se passe entre la femme et l'homme constamment. Alors moi, je dirais que s'il y a quelque chose qui a vraiment émergé de ce projet-là, en plus que la musique, le spectacle, tout le reste, c'est encore plus de compréhension vis-à-vis les besoins de la femme, la bulle de la femme, pour finalement évoluer moi-même au niveau personnel. Okay. C'est inévitable que pour faire un travail comme ça, je disais tantôt que mon côté féminin était en équilibre, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas grandi énormément à travers le processus. Est-ce que ça répond? Oui, merci. Je trouve merci. Que c'est une belle réponse. Okay. C'est une belle réponse pas question. Est-ce quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Fait que ma question, c'est quand tu parles de féminin sacré, est-ce que tu, dans l'album, tu as ressenti les énergies de la mère, puis est-ce que tu peux les expliquer? Mais tout de suite, quand tu parles de la mère Marie, oui, elle a eu un impact majeur sur le projet. Spécifiquement, ça je l'ai déjà raconté, mais je peux élaborer, c'est que quand c'est venu temps de voir comment j'allais aborder la création, il m'est venu apparent que c'était le temps pour écrire une nouvelle Ave Maria. Et l'Ave Maria, tu sais, tout le monde dit « Ah, j'aime ça, Ave Maria! » Ave Maria, c'est pas une chanson, c'est un texte de la liturgie qui date de très longtemps. C'est Ave Maria, c'est en latin, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria. Et c'est, moi, j'ai dit, je vais réécrire l'Ave Maria avec une énergie propice pour 2014, l'année où je l'ai écrit. Et c'était une des premières pièces à émerger. Mais quand est venu temps pour le chanter, en premier temps, j'étais debout dans mon studio. Mais la voix qui est sortie pour le chanter est une voix que je n'avais pas entendue auparavant. Tu sais, la grande voix qu'on entend, que tout le monde connaît maintenant, je ne l'avais jamais utilisée à l'époque. Tu sais, j'avais une voix plus propre, plus rauque, mais cette voix grave, presque opératique, est sortie d'une transe qui a duré à peu près 4 ans, le soir même que je l'ai chantée. Et je l'ai chanté en boucle, peut-être 30 fois. Wow. Et après, bon, c'était comme...
Je regardais, wow, oh, je dis, wow, oui, Marie, oui. Qu'est-ce que tu m'as amené? Wow. C'était vraiment quelque chose de très nouveau et de très fort. Okay. Alors pour moi, à ce moment-là, Marie était très présente. J'ai des frissons juste de la raconter. J'ai les poils qui lèvent sur les bras. Oui, wow. Parce que c'était vraiment... et à partir de ce moment-là, mais cette voix m'est restée. Et à ce jour, j'attribue cette réémergence de mon masculin sacré à Marie, à la Mère Marie. Mm. Et la deuxième partie, au niveau de Marie-Madeleine, écoute, on était 10 jours avant la fin de l'album, il était déjà annoncé pour la sortie, la pochette était finie, ok? Je suis dans la douche à Sherbrooke, à un salon, et mes guides me disent, mais là, t'as chanté en latin, t'as composé, t'as fait tout ça, mais où est ton talent de poète? Tu l'as même pas utilisé. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et le défi qu'ils m'ont lancé à ce moment-là, c'était, que j'avais raconté tantôt, de mettre les attributs de la femme sacrée dans une chanson. Et c'est devenu la chanson pour Marie-Madeleine, le premier vidéoclip d'ailleurs qu'on a sorti, In the Heart of Mary, qui est déjà sur YouTube. Ouais. Et c'est, à ce jour encore, la chanson que j'utilise pour finir mes concerts, où tout le monde chante ensemble, unis. C'est une des plus belles chansons que je crois avoir écrites dans ma vie. Et ça raconte la femme sacrée dans toutes ses élans, toute sa beauté. Alors, oui, les deux maries à ce niveau-là, j'aurais jamais pu arriver sans elles. Ouais. C'est le fun d'avoir d'autres personnes poser des questions. Moi, waouh, les réponses sont très beaux. Merci. C'est très inspirant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une autre question? Oui. C'est bon. Je vois que qu'est-ce que tu répondais par rapport à la vie, par rapport à la relation homme-femme et tout ça. Moi, ça m'a répondu. Ça m'a répondu aussi qu'à quelque part, l'homme va toucher une partie de sa douceur, va toucher à la tendresse, mais il y a aussi beaucoup de collaboration, d'exploration, d'expérience entre hommes et femmes qui a besoin de nous faire grandir d'un côté comme de l'autre. C'est un peu travail, ce que d'ajustement, oui, c'est un ajustement parce que on a des bases dans le moule de la vie qui nous a amené comme la petite boîte que tu parlais tantôt. Ouais. Donc c'est ça, c'est que tu as répondu à ce que je ressens dans la relation de couple amoureuse et aussi les femmes qu'on côtoie dans la vie. Ouais. Qu'est-ce qui est vraiment important, et je suis content que tu précises ça, c'est que en voyant un exemple de n'importe quoi, on a quelque chose qui nous inspire. Si un homme qui n'est pas efféminé, qui est masculin, parce que, tu sais, moi, je n'ai pas peur de dire, écoute, je me suis entraîné en musculation beaucoup de ma vie, je suis sportif, je suis très enraciné comme homme. Ça ne m'empêche pas d'avoir ce côté très développé au niveau du féminin. Alors, si moi, je peux être comme ça, mais plein d'autres. Tu sais, juste comme tu dis, en voyant cet exemple, et dire, hey, écoute, lui, il fait ça, mais moi, ça me rassure que je peux faire ça, et c'est correct. Parce que l'homme n'a pas été encouragé de développer ces choses traditionnellement. Et le plus qu'il va les développer, ça va rassurer aussi la femme qui n'aurait pas toujours besoin de faire la surcompensation pour créer cet équilibre. Chaque être humain en équilibre peut être plus complet. Je ne sais pas si vous suivez, mais en relation humaine, souvent, disons, tu arrives à la relation incomplète. Et ça, c'est important, tout ça, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Souvent, on va arriver à la relation incomplète et on cherche dans l'autre ce qui nous manque. De se compléter. Ouais. C'est comme si j'arrive, je dis, hey, t'es beau, t'as des beaux cheveux, tu sais. Alors moi qui n'ai plus de cheveux du tout, je dis, mais moi, je rentre en relation pour ta douceur, tes cheveux,
t'es juste, c'est ridicule comme exemple. Non, mais je peux t'en donner aussi. Tu sais, quelqu'un qui est en avant, voilà. Tu vas l'aimer parce qu'il est en avant, voilà. Mais en fait, c'est toi qui veux être en avant. Voilà. Mais alors, l'homme qui est tendre, qui est compréhensif, qui écoute, qui est sensible, qui arrive à la relation, pas nécessairement ayant besoin de ça, la femme peut être ensuite, elle peut être complètement libre de s'exprimer de sa manière, de pas, comme j'ai dit tantôt, de faire cette compensation. La relation équilibrée est très intéressante parce que ça permet ensuite d'aller plus loin ensemble et non par tirer l'autre en arrière ou donner du jus. C'est très intéressant et c'est ça le genre de couple que moi je trouve qui va être le phare qui va aller plus loin pour le futur. Qui ouais. va rester plus longtemps ensemble. Exactement. Exactement. Alors, c'est vraiment un bon point que tu as amené. Ouais. Merci. C'est très inspirant de voir ce que tu fais et ce que tu dis aussi. Merci. Merci. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. OK. Okay. Est-ce que, avant ce projet-là a vu le jour, est-ce que tu connaissais ma musique? Non. Ah bon? 28 albums et tu n'as jamais entendu parler de ma musique. C'est quand même étonnant. Ouais. Est-ce que ça se peut parce que j'étais derrière le rideau, tirer les ficelles pour une femme? Je ne sais pas. Oui, mais moi je te dis que oui. C'était parce ça. Que j'ai produit pour la chanteuse Annaëlle pendant okay. très longtemps. Annaëlle, okay. Sa musique a traversé le monde, il est utilisé dans des films. Mm. Elle a fait plein de belles choses. C'est moi j'étais le compositeur et l'écrivain d'Annaëlle, mais très peu de monde le savent. On dit que derrière toute grand homme, il y a une grande femme, mais là, c'est le contraire. Mais oui, mais ça tu vois, déjà, ça. L'équilibre était en mouvement. Mais, un grand merci, Bradfield, de t'être déplacé, puis que t'as pris la peine de sortir de ton temps de création aussi. Peut-être que ça t'a fait du bien aussi. J'ai pris la joie de sortir. La joie. C'est il vrai, faut transformer la manière qu'on parle. Ouais, ouais. C'est un joie de tout ce que je fais est un ouais. immense plaisir, un honneur et une joie. Ouais. Sinon, je le ferais pas. Je ferais d'autres choses. Ouais. Et moi, j'encourage le monde, tout le monde, de se lever chaque jour et trouver cette étincelle, cette chose que vous avez tellement envie de faire parce que c'est pour ça qu'on est là. Mm-hmm. On s'est incarné pour trouver notre plus grande joie et ensuite de le répandre et toucher les autres. Ouais. S'amuser plus aussi. Dans oui, ça. C'est la planète Terre et la planète avec le plus de possibilités dans l'univers. On a choisi de venir ici. Il faut faire le max. Merci. Namasté. Un grand, grand merci. Merci à tous. Puis merci à mon public. J'ai eu un public ce soir pour faire l'entrevue. Hey, oui! Merci. Un lac naturel, le feu, la pleine lune pour rendre hommage à la Terre. La femme de la Terre, la femme primitive, complètement déchaînée dans son énergie.